Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La demande d'autorisation des 6 députés d'Antananarivo pour faire leur rapport à la population avant le début de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sur la place du 13 mai ce samedi a été refusée par la préfecture de police d'Antananarivo hier dans la soirée. Par contre, la préfecture de police d'Antananarivo a donné libre accès aux 6 députés au macro de Tandjoubatou. Pour témoigner du pacifisme de leur mouvement, les candidats avaient brandi des choux-fleurs et les avaient distribués aux riverains selon le candidat de Ratiet San Jean-Jacques. La communauté internationale est au courant de la situation à Madagascar selon le candidat Marc Ravalmanen. Finalement, les détenus ne pourront pas participer au vote lors de la présidentielle selon les informations émanant de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. En effet, le ministère de la Justice a déclaré l'impossibilité de pouvoir justifier l'innocence de tous les détenus non jugés qui se trouvent déjà sur la liste électorale jusqu'au jour du scrutin. Pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde de football, la FIFA a dévoilé une formule inédite pour son mondial 2030 qui soulève nombre de questions. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique. Et maintenant, place au détail de nos informations. La prestation de serment des magistrats au niveau du PAC, pôle anticorruption, a eu lieu ce jour à la Cour suprême d'Anous. Il s'agit de Livar Soufra Koutmanga Lilian, première présidente de la Cour d'appel d'Antananarivo, et de Rambelou Voulatsinana Saoubi, chef de siège de la juridiction du second degré du pôle anticorruption. Tous les magistrats du pôle anticorruption seront installés à leur poste pour demain. La cérémonie de prestation de serment des magistrats au niveau de la PAC s'est faite en présence de la ministre de la Justice, Landi Rangia Manantenasu. Le syndicat des paramédicaux et l'association des paramédicaux va procéder au renforcement de la cohésion entre tous les paramédicaux pour la valorisation de leur secteur. L'adhésion de tous les paramédicaux de toute la grande île au syndicat et à l'association est très indiquée, d'après le président du syndicat des paramédicaux de Madagascar. De nouveaux bureaux ont également été ouverts dans toutes les régions du pays pour examiner de près les difficultés rencontrées sur le terrain par les paramédicaux et afin de les aider. Reportage sur les images de Arfit Rakoutmanal. Le social du personnel paramédical a souvent été mis de côté en raison des différents problèmes traversés par le pays ces derniers temps. Le syndicat des paramédicaux et l'association des paramédicaux vont désormais se pencher de plus près sur le social des paramédicaux. La création de nouveaux bureaux dans toutes les régions de Madagascar participe à la promotion du secteur de la santé publique en mettant l'accent sur le bien-être du personnel paramédical. Le syndicat renforcera également l'unité entre tous ses membres qui se soutiendront mutuellement pour faire face à tous les problèmes rencontrés par le personnel paramédical à Madagascar. Le président du syndicat des paramédicaux a exhorté tous les paramédicaux à adhérer au syndicat afin qu'ils puissent constituer un bloc et participer à la valorisation de ce secteur, surtout au regard de la situation actuelle du pays.
Pour témoigner du caractère pacifique de leur mouvement, les candidats avaient brandi des choux-fleurs et les avaient distribués aux riverains leur passage, selon le candidat à la présidentielle, Ratietson Jean-Jacques. La communauté internationale est au courant de la situation en Madagascar, selon le candidat Marc Ravalmanen. Les délégations de la SADC et de l'Union africaine sont attendues à Madagascar samedi prochain, selon ses dires. Le candidat Roland Ratirak a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue et à la concertation à l'endroit du candidat Andra Duyln afin d'éviter la crise qui menace le pays. Mikara Djembolaz et Arfitra Koutmanalm étaient un d'Avamamba. Les 11 candidats à l'élection présidentielle ont poursuivi leur manifestation ce jour à Pefloui et Ndavamamb. Leurs partisans s'étaient rassemblés à Pefloui du côté de la CNAP ce matin. Les éléments des forces de l'ordre ont également été vus sur place. Les candidats en la personne de Taïna Razafnzouiln, Marc Ravalmanen, Jean-Jacques Ratietson, Auguste Parain, Adzonjenen Arvel, Roland Ratsirek et Ejadzon Armapian sont arrivés sur les lieux en milieu de journée, brandissant tous des choux-fleurs à la main. Ils se sont rassemblés devant l'immeuble Fiage où ils ont été interviewés par la presse. Le candidat Ratietson Jean-Jacques a annoncé le programme de la journée, soulignant que la manifestation des 11 candidats restait un mouvement pacifique. Le transport et la distribution de choux-fleurs témoignent du pacifisme de leur mouvement, sont toujours ce candidat. La communauté internationale est au courant de la situation à Madagascar, d'après le candidat Marc Ravalmanen. Elle est au fait des irrégularités, des abus et de la répression exercée par les éléments des forces de l'ordre, selon le candidat Marc Ravalmanen. La délégation de la SADC et de l'Union africaine sont attendues dans nos murs samedi prochain, selon ses dires. Le candidat Roland Ratsirak a réitéré son appel au dialogue et à la concertation à l'endroit du candidat Andra Duyln pour éviter que le pays ne sombre dans la crise. Après s'être adressé à la presse, les candidats ont entamé leur marche pacifique à partir de l'immeuble Fiage en Pefloui. Celle-ci s'est terminée en Davamamb. L'événement se poursuivra demain selon les déclarations des 7 candidats à la présidentielle présents à la marche de ce jour. Les travaux de construction d'un barrage pour la pratique d'une agriculture intensive ont débuté ce jour dans la commune d'Ampaïtchous, dans le district d'Atimjan. Cette commune bénéficiera de la construction de ce barrage qui pourra assurer l'approvisionnement en eau d'une superficie de 2000 hectares. Les techniciens estiment que la production rizicole locale sera multipliée par deux une fois que le barrage sera construit. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu ce jour en présence du Premier ministre, du gouverneur de la région d'Analamang, du député Anjirati Vahint, ainsi que de nombreuses personnalités. Reportage d'Abraham Razafi. 70 ans que les agriculteurs du district d'Antimjan attendaient la construction de ce barrage qui va irriguer quelques 2000 hectares de rizière. 7 communes bénéficieront de ce barrage, entre autres les communes d'Apanef, de Soualand, d'Apaïtchous et d'Antanetkeli. Les techniciens estiment que le rendement rizicole local sera multiplié par 2 une fois que le barrage sera fini. En effet, il est d'une ou deux tonnes par hectare actuellement, contre 4 tonnes dès que le barrage sera opérationnel. À part la construction du barrage, 2 avant-canaux, rive gauche et rive droite de la commune rurale d'Ampaïtchous seront également construites. L'État malgache a toujours priorisé l'autosuffisance alimentaire, selon le Premier ministre Tsai Christian, qui a honoré de sa présence les travaux de lancement de la construction de ce barrage. Le député de Madagascar, Andra Tsivahin, a également profité de l'occasion pour remettre un lot de matériel agricole à la population d'Atimjan. Il a précisé que ces matériels avaient été promis par Andra Duyln quand il était encore président de la République en exercice. Ces travaux de construction, dans le cadre de la réalisation de ce projet Antananarivo-Atimjan, vitrine de Madagascar, initié par Andra Tsivahin et appuyé par le gouverneur d'Analamang et Rasoua Marmak. La demande d'autorisation des 6 députés d'Antananarivo pour faire leur rapport
à la population avant le début de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sur la place du 13 mai ce samedi a été refusée par la préfecture de police d'Antananarivo hier dans la soirée. Le général Angelo Ravelnarive d'argumenter qu'il doit veiller à la liberté de la circulation de la population sur la place du 13 mai et garantir la sécurité de tous ceux qui pratiquent des activités commerciales sur place. Par contre, la préfecture de police d'Antananarivo va donner libre accès aux 6 députés au Magro de Tanzumatu. Récit de Ftia Vanadoni sur les images d'Ibrasata. La réponse de la préfecture de police d'Antananarivo à la demande des 6 députés d'Antananarivo ne s'est pas faite attendre. En effet, le général Angelo Ravelnarive, dans la lettre sortie, hier au soir, précise que la préfecture refuse la demande d'autorisation des 6 députés d'utiliser la place du 13 mai ce samedi. Dans la matinée du 4 octobre 2023, les parlementaires Rangian Arsou Stanislas, Ralambouzaf Mboulou Narazaf Tsimialn, Ralambouman Fenouirsou, Jambou Assalam à Emilien, Anjiama Panch Toudsou et Razaf Manatsou Anch avaient adressé une lettre à la préfecture dans laquelle ils avaient exposé leur intention de faire leur rapport à la population de la capitale sur la place du 13 mai, ce samedi 7 octobre 2023, à 10h, à quelques jours du début de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. En effet, le rapport des parlementaires à la population est stipulé dans l'article 207 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les 6 députés de la capitale seront assistés par leurs pairs en provenance d'autres districts du pays, selon les explications. La demande d'autorisation des 6 députés d'Antananarivo pour faire un rapport à la population avant le début de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale sur la place du 13 mai ce samedi a donc été refusée par la préfecture de police d'Antananarivo hier dans la soirée. Le général Angelo Ravelnarive a émis 3 arguments pour justifier sa décision. Il avance qu'Analakiel et ses environs sont une zone commerciale importante. Tenir un rassemblement à Analakiel risque de perturber les activités commerciales sur place. Le numéro 1 de la préfecture joue la carte de la liberté de circulation de la population. En effet, les rues d'Analakiel et celles des environs sont très fréquentées tous les jours et le flux de la circulation s'y intensifie même le samedi. Un rassemblement tenu à Analakiel pourrait porter atteinte à la liberté de circulation de chaque citoyen. Le dernier argument a été très clair. La préfecture a le devoir d'interdire les manifestations sur la place du 13 mai dans l'intérêt de la paix et de la sécurité de la majorité de la population d'Antananarivienne. La préfecture de police d'Antananarivo a donné une autre alternative aux 6 députés en les autorisant à faire leur rapport à la population au Magro de Tanzumatu. Finalement, les détenus en attente de jugement ne pourront pas participer au vote lors de la prochaine présidentielle, selon les informations émanant de la CNIL, Commission électorale nationale indépendante. En effet, nonobstant la présomption d'innocence, le ministère de la Justice argue de l'impossibilité de pouvoir justifier l'innocence de tous les détenus non jugés qui se trouvent déjà sur la liste électorale jusqu'au jour du scrutin. Par contre, les malvoyants pourront voter cette fois-ci. La scène est actuellement en pleine préparation pour la commande de cartons de vote en braille. Les détails signés Anchara Larsou et Omega Khanevtson. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, avait demandé au ministère de la Justice d'accorder le droit de voter aux détenus en attente de jugement, donc mis sous mandat de dépôt, enregistrés sur la liste électorale. La CENI avait proposé l'installation d'une urne à l'intérieur des prisons et l'envoi de membres de bureaux de vote et de délégués des candidats pour encadrer le processus dans les maisons de détention. Mais le ministère de la Justice a rejeté cette proposition, selon les informations reçues. En effet, le ministère ne peut pas garantir la tenue des procès et la publication des verdicts des affaires impliquant ces détenus avant la date du scrutin, d'où cette impossibilité d'accorder le droit de vote aux détenus selon les explications du ministère concerné. Cette initiative de la CENI ne pourra pas encore être concrétisée pour l'élection présidentielle à venir, a tenu à préciser le ministère de la Justice. Par contre, les électeurs malgaches victimes de déficiences visuelles
pourront participer au scrutin de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023, selon toujours la CENI. Cette dernière est en pleine préparation pour la commande de cartons de vote en braille actuellement. La CENI est également en quête de l'imprimerie qui pourra produire ce type de carton de vote, selon les explications du directeur de cabinet du président de cette commission. Par ailleurs, la formation des responsables de la CENI, qui assureront à leur tour la formation des démembrements, débutera lundi prochain. Sport à l'international. Pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde de football, la FIFA a dévoilé une formule inédite pour son mondial 2030 qui soulève nombre de questions. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant trois matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Reportage de France 24. C'est une première pour la FIFA. La Coupe du monde masculine de football de 2030 se déroulera simultanément sur trois continents dans six pays. Maroc, Espagne et Portugal accueilleront 101 matchs. Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront chacun un match au début du tournoi. Une formule inédite pour marquer un anniversaire très symbolique. Le premier de ces trois matchs se jouera bien entendu dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA. Une décision dénoncée par certains pour son impact considérable sur l'environnement. La dernière fois que l'Espagne a accueilli la compétition, c'était en 1982. Mais ce sera la première fois que le Maroc et le Portugal accueilleront la Coupe du Monde. Dans les rues de Lisbonne, les habitants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est une occasion de montrer que nous sommes capables d'accueillir ces grands événements. Je considère que c'est une bonne chose, pour l'économie aussi. Ça attirera beaucoup de gens dans le pays. Espérons que les fonds seront bien utilisés. Autre annonce de la FIFA, pas encore tranchée, l'édition 2034 se tiendrait soit en Asie, soit en Océanie. Mercredi, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle présenterait sa candidature, dernière tentative en date d'une stratégie visant à faire du Royaume une puissance sportive mondiale. L'Australie se dit également intéressée, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir.